de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui nous allons nous retrouver sur une nouvelle vidéo et nous allons parler du nouveau projet de loi qui va être mis en place normalement pour le mois de mars de cette année et qui a été donc annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin concernant donc le séparatisme. Donc c'est une loi en fait qui vise à restreindre les libertés religieuses, notamment donc surtout vis-à-vis de l'islam qui, comme vous le savez malheureusement, a causé beaucoup de problèmes vis-à-vis du terrorisme, les meurtres et compagnie, malheureusement. Et aujourd'hui, nous sommes aussi visés, nous les évangélistes, par ce projet de loi que Gérald Darmanin a annoncé. Donc on va tout de suite écouter un petit extrait vidéo et on se retrouve donc juste après. Chers frères et sœurs, peut-être ne le savez-vous pas, mais le projet de loi visant à renforcer les principes républicains va réformer en profondeur le droit des cultes et la liberté de religion en France. Nous sommes début février et les parlementaires ont commencé à travailler sur ces sujets à l'Assemblée et au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Grâce à Dieu et à vos prières, je peux rencontrer de nombreux députés et sénateurs pour leur parler des risques que représente ce projet de loi sur la liberté d'implanter des églises, la liberté de prédication, les charges qui pourraient peser sur nos cultes, les charges administratives, les charges financières, le contrôle, dans certains cas, des prédications, des super-pouvoirs qui seront donnés aux préfets. Donc je crois que l'heure est suffisamment grave pour ne pas parler de persécution, mais pour parler de réduction des libertés fondamentales de religion, d'expression et d'évangélisation. Donc ce sont des enjeux politiques, sociaux, mais surtout spirituels qui se jouent en ce moment. Donc je vous remercie de prier pour cette situation afin que les parlementaires votent une loi d'équilibre, une loi qui devra lutter contre cet islam radical qui essaie de s'infiltrer dans le pays, mais une loi qui préservera les religions intégrées et les lieux de culte comme les nôtres, les églises évangéliques qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui apportent de l'espoir et qui travaillent à atténuer la précarité, l'exclusion sociale en créant des liens de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Donc je compte sur vous, le Seigneur compte sur nous, merci pour vos prières. Cette loi sera votée au final à l'Assemblée nationale au mois de mars. Elle est actuellement discutée à l'Assemblée nationale et elle le sera dans quelques semaines au Sénat. Merci pour vos prières et que Dieu bénisse notre pays. Alors, ce qu'il faut relever dans cette histoire, et ce qui est vraiment triste, c'est de nous considérer comme des gens dangereux. Il n'y a pas que l'islam qui est concerné, les évangéliques est un problème très important. Alors, pas de même nature, évidemment, que l'islamisme qui fait des attentats, qui donne des meurtres, mais enfin... Déjà, il y a dans ses propos des choses qui sont complètement infondées. Hein, il faut savoir que nous n'avons aucune dangerosité vis-à-vis d'autrui, bien au contraire, nous sommes là pour témoigner de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous aidons les sans-abri, nous aidons les gens démunis, nous créons des associations, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place dans le bon sens pour aider justement les gens qui en ont besoin et pour leur donner du réconfort. Hein. Donc là aussi où je voudrais intervenir, c'est sur le fait qu'ils bien sûr ne considèrent pas aussi dangereux que les extrémistes religieux islamistes, mais il y a quand même ce fait de dangerosité qui a été avancé comme étant des gens dangereux. J'aimerais bien savoir sur quel point il peut s'appuyer par rapport à cela, mais aussi sur le fait qu'il dit bien que nous ne pouvons pas discuter avec des gens qui placent les lois de Dieu au-dessus de ceux de la République, au-dessus de celles de la République. Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier qu'ils sont parfaitement compatibles, évidemment, avec les lois de la République, que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Alors, là-dessus, je voudrais aussi vous annoncer que, en aucun cas,
Déjà, en aucun cas la parole de Dieu nous enseigne à outrepasser les lois de la République. Bien au contraire, la Bible nous enseigne, et j'avais déjà fait une vidéo concernant les rébellions, concernant les mouvements des Gilets jaunes. Hein, c'était une vidéo que j'avais expliqué justement, dans laquelle j'avais expliqué que le Seigneur encourage et nous demande de suivre la loi des hommes et de la suivre à la lettre. Parce que Dieu nous dit que si nous ne suivons pas la loi des hommes, il ne faut pas s'étonner de recevoir des amendes, d'avoir des soucis avec la justice, mais aussi de se mettre à défaut avec lui, parce que c'est Dieu qui a institué ces choses, c'est Dieu qui a institué ces mouvements religieux, ces mouvements politiques, pardon. Donc en aucun cas, nous ne devons outrepasser les lois et nous mettre à défaut avec les dirigeants des gouvernements. Aujourd'hui, il faut bien comprendre les choses et pas faire d'amalgame. Les évangélistes n'ont jamais été un problème en quoi que ce soit. Hein, nous respectons les lois de la République, nous aidons notre prochain, nous avons un comportement exemplaire en tant que citoyenneté. Nous avons tout simplement une croyance envers un Dieu unique, le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons des comportements que ce soit au sein des gouvernements, mais aussi au sein des gens qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, comme il y avait du temps de Babylone. Hein. Nous avons des gens qui sont complètement réfractaires au Seigneur, qui ne croient pas en ces choses-là, ou qui croient en d'autres divinités. Voilà, la parole de Dieu nous explique toutes ces choses. Et nous sommes aujourd'hui dans un esprit, Dieu, Jésus l'a dit lorsqu'il est venu, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit anti-Dieu, anti-Jésus, est déjà présent dans le comportement, dans les paroles de certains politiques, de certaines personnes dans la rue, des gens tout à fait normaux également. Il y a cet esprit antichrist, il y a cet esprit anti-Dieu, et il y a aussi cette volonté, comme le fit Nimrod, le premier rebelle envers Dieu avec la cité de Babylone, à vouloir se positionner au-dessus de Dieu. Donc l'homme a cette arrogance, cet orgueil aujourd'hui de dire « Voilà, nous n'avons pas besoin d'un Dieu, nous nous assumons nous-mêmes, nous imposons aussi aux gens de ne pas avancer la parole de Dieu. » Et aujourd'hui, on voit à l'horizon des gens qui s'élèvent au-dessus de Dieu dans leur comportement et dans leurs paroles. Donc bien sûr, ces gens-là, nous ne devons absolument pas les juger, les critiquer. C'est le Seigneur qui rendra chacun selon ses œuvres, comme la parole de Dieu nous le dit. Et n'oublions pas que le Seigneur a institué ses gouvernements, ses politiques, ses hommes pour faire avancer ses plans et ses prophéties. Donc ces gens-là sont utilisés sans même le savoir, à leur insu, par Dieu. Qu'ils soient dans la foi ou qu'ils ne soient pas dans la foi, le Seigneur utilise et a utilisé dans le temps des personnes bonnes, des personnes mauvaises, des personnes gentilles, des personnes méchantes, à ses fins, pour l'avancement des prophéties et pour l'accomplissement de son plan final avant son retour sur terre, comme la parole de Dieu nous l'annonce. Donc, nous n'avons même pas à nous inquiéter. Ce qu'il faut faire actuellement, c'est prier pour que ces gens-là reviennent à la raison, pour que le Seigneur se révèle à eux, et aussi rester dans la foi, continuer à rester dans la foi, à prier. C'est des choses qui doivent arriver. Nous n'avons pas à nous inquiéter, comme malheureusement beaucoup de personnes, parce que c'est des choses qui doivent arriver. Voilà, c'est la volonté de Dieu, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, ce qui est vraiment un petit peu vraiment dommage, c'est d'avancer des propos qui ne sont pas fondés. Voilà, dire que les évangélistes sont dangereux, alors pas bien sûr au même stade que les extrémistes, hein, mais nous avons une dangerosité par rapport aux propos de M. Gérald Darmanin. Donc j'aurais voulu qu'il en dise un peu plus, hein, parce que... Aucun pasteur que j'ai pu entendre dans mon entourage, ni moi-même, ni personne d'autre, n'a pu avancer des choses du style « Oui, il ne faut pas respecter la loi, il faut tuer des gens, comme malheureusement l'islam, dans certains versets, l'avance. » Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dommage. Et la parole de Dieu, comme je le dis et je le répète, n'a jamais encouragé à tuer, à voler, à faire quoi que ce soit. Bien au contraire, le Seigneur nous demande d'avoir un avis et un comportement irréprochable. Donc d'être un honnête citoyen, de payer nos impôts, nos taxes, de faire les choses dans les règles, comme un honnête citoyen. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cette vidéo. C'est vrai que
on aura de plus en plus de restrictions, il y aura de plus en plus aussi de projets de loi vis-à-vis de la relation que nous avons actuellement avec le Seigneur Jésus, non pas de la religion, hein, parce que nous savons très bien que malheureusement le catholicisme, qui est une religion qui est complètement corrompue, et qui enseigne des choses qui se comportent de façon contraire à ce que la Bible enseigne, alors qu'ils sont censés normalement la suivre, et, ben, nous savons très bien que cette religion ne sera jamais attaquée. Parce que voilà, elle est là, elle est présente, et on sait aussi, malheureusement, même si nous n'avons pas la certitude, mais nous avons aussi, on va dire, une certaine logique et une certaine vision, que le mouvement catholique ne fait pas ces choses-là par pure ignorance. Hein, nous savons très bien qu'il y a aussi dans ce mouvement des gens qui font les choses pour égarer les gens du chemin de Dieu. Hein, on pourrait les garder captifs hein, de la vérité. Et là, le Seigneur nous a aussi prévenu dans sa parole en disant que celui qui gardera cette vérité captive ou qui essayera par des moyens subtils d'égarer les gens, hein, en annonçant des choses contraires à la volonté de Dieu qui est inscrite dans la Bible, eh ben Dieu s'occupera aussi de ces gens-là au moment voulu. Vous savez, tous comparaîtront devant Dieu individuellement, seuls, face à face, tête à tête avec le Seigneur. Et chacun rendra des comptes par rapport aux paroles, par rapport aux actions, par rapport aux gestes qu'il aura eu dans sa vie. Qu'il soit dans le chemin de Dieu, qu'il ne soit pas dans le chemin de Dieu, Dieu rendra à chacun selon les paroles, les gestes et les comportements qu'il aura eu durant sa vie. Donc aujourd'hui, on peut faire le grand, on peut faire le beau sur cette terre, à dire oui, mais non, voilà, voilà, la République écrase la parole de Dieu, la République ceci, la République cela. Ok, bon ben c'est chacun son problème, chacun ses paroles, mais chacun rendra des comptes. Et ça, malheureusement, ces gens-là n'en ont pas forcément conscience. Donc voilà, donc prions pour eux, respectons, hein, de toute façon, que nous rentrions dans une rébellion, que nous rentrions dans n'importe quoi de mauvais, ça nous permettrait déjà premièrement de nous mettre à défaut avec Dieu, et en plus de cela, de nous mettre à défaut avec les lois de la République, donc d'avoir des sanctions derrière, hein, comme par exemple des amendes. Donc attention à ces choses-là, mes frères et sœurs, respectons, et ce que je voulais dire pour terminer, c'est qu'au final, peu importe ce que vous direz, peu importe ce que vous ferez, les choses n'avanceront pas dans le sens contraire à leur décision. Parce que, comme la parole de Dieu nous le dit, c'est Dieu qui les a mis là en place. Dieu a permis à certains présidents d'être là, à certains ministres d'être là, parce que ils vont faire des choses que Dieu a prévues, et par rapport à ces choses, Dieu va pouvoir mettre en place d'autres choses. Donc ils ont un rôle et ils sont utilisés par le Seigneur. Et la parole de Dieu nous le dit même que Dieu rigole, Dieu rit de ces hommes politiques, Dieu rit de ces gens qui essayent de garder la vérité captive de la parole de Dieu, de la Bible, qui essayent d'écraser les lois de Dieu, qui essayent d'arrêter peut-être les cultes religieux dans un futur proche. Voilà, Dieu rigole parce que ce n'est pas... Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas aller au-delà de la volonté du Seigneur. Voilà, donc n'oublions pas que cet esprit antichrist, cet esprit anti-foi, est présent dans le monde depuis la fondation du monde, était déjà présent du temps des apôtres et sera aujourd'hui dans cette période où nous sommes la dernière génération encore plus présent. Hein, il y aura de plus en plus de persécutions, de représailles, de restrictions vis-à-vis de notre foi, malgré, comme je le répète, que nous sommes des gens honnêtes et nous avons un comportement exemplaire dans tous les domaines. Malheureusement, on a des gens qui interprètent mal, qui comprennent mal, qui jugent et qui sont malheureusement aussi utilisés par l'ennemi. Voilà, le diable fait aussi beaucoup de choses sur cette terre selon la volonté de Dieu toujours. Dieu permet au diable de faire certaines choses. Donc, voilà, ne soyons pas dans l'inquiétude, simplement prions pour eux, restons dans la joie, dans la paix que le Seigneur Jésus procure dans nos cœurs et dans nos âmes. Et voilà, continuons à marcher dans l'obéissance. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la rébellion, tout ce qu'on a pu voir malheureusement dernièrement contre les gouvernements, c'est le diable qui veut ces choses-là aussi. Hein. Et lorsque l'on rentre dans de telles choses, on se met à défaut avec Dieu parce qu'on lutte contre des gens que Dieu a institués, même si ces gens se comportent mal. Et aussi, n'oublions pas une dernière chose, c'est que nous devons témoigner de l'amour de Dieu. Nous sommes le reflet du Seigneur dans ce monde de ténèbres et nous devons témoigner de son amour, avoir de l'amour même pour les gens qui ne sont pas dans le chemin du Seigneur Jésus-Christ, pour les païens, parce que sans l'amour, nous ne sommes rien.
Hein, donc ayons de l'amour, même pour des gens qui prennent de mauvaises décisions parfois, qui nous jugent, qui nous blessent. Jésus a bien dit de tendre la joue, c'est-à-dire à partir du moment où nous sommes blessés, ne rendons pas le mal par le mal, mais au contraire témoignons de l'amour, et c'est comme ça que l'on touche les cœurs. Même si ce n'est pas facile, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet justement de pouvoir mettre ces choses en place et de pouvoir voilà, avoir l'amour véritable du Seigneur au fond de nous. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée, prions pour ces gens, restons dans l'amour, voilà, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. » Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.